jam ne yite ro shiri jam ne dam yite Ani fifa jamno Ecouteur très petit. Ecouteur fait vraiment. Ok. Là, on est dans ecouteur. Min bagarwa Hamad Usaini. Jauro goro garwa. Quoi dit? Il y a quoi dit, non? Ah, barkai. Yeti Allah na ko moifu baba udada ko torata Allah kam bingel mako nyibina mo sare o joda nanni na atuna anda take adanyi do nafima. Wow, bonjour, le direct ce matin, nous sommes chez maman Marie, la grand-mère, la mère du prophète, béni soit le jour où elle a décidé avec papa passer la nuit là ensemble. Dieu sait comment il arrange ces choses. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Ça sera très fort ce matin. Ça sera très fort. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à l'apôtre Serge Combe, bonjour à Choupi Choupi, bonjour à Marie Noël, Kwame, Marie Joël Nat, Borel Camden, nous vous saluons, et Kutsu Mireille Molanga. Vos noms sont très très loin ce matin. Bénissons le Seigneur pour ces noms loin. La Bible dit qu'en tout chose, nous devrions rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ton nom. Donc, on a commencé un travail très sérieux dans ce forum. S'il te plaît, partage la vidéo, partagez dans les groupes. Invitez un maximum de personnes. Partageons et surtout, abonnons-nous. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mais on a quand voilà, il y a dans... Il était what tu en vois direct non Aïcha non Aïcha petite connectons-nous massivement s'il vous plaît, partageons la vidéo, partageons. Et vous savez qu'on a des révélations à faire demain sur cette même plateforme à partir de 10h. Mon frère le prophète Defo et moi, vous nous retrouverez demain à 10h. Donc ce matin, s'il y a des choses que j'ai partagées avec toi d'abord, en prélude. Ah voilà, il y a dans le Itewa Tatani, il y a dans le direct. Oh, tu vois, tu as le téléphone, tu vois. Ah, on a un beau. Ah, Marie, iPhone. Il y a un torche, le téléphone d'un affaire. Il y a un téléphone d'un affaire. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, demain, ça sera chaud. Nous attendons nos bien-aimés. On a encore 5 minutes. On attend les abonnés. 5 minutes. Que les retardataires arrivent. 5 minutes. Chacun avait sa Bible. La contestation doit s'arrêter. Oh, téléphone te on. La Bible dit que lorsque le sort est lancé, la contestation s'arrête. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler. Nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on me reçoit bien à Doulos FM? Est-ce qu'on me reçoit bien à Zoé? Je vois que ça vient de passer. Ça commence maintenant à Zoé. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est fidèle. Donc, partage la vidéo s'il te plaît. Dans tes groupes, invite tes amis à être là avec nous ce matin. Et surtout, likons. Envoyez des cœurs et des pouces.
pour que la confusion soit dans le camp de l'ennemi, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Nous les attendons nombreux. Nous les attendons. L'Église au Cameroun a beaucoup à apprendre de cette génération. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Qu'il oriente chacun d'entre nous. Qu'il nous donne d'être unis dans un seul cœur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes l'inspiration, la parole. Et ta parole dit, il envoie sa parole, elle est guérie. Merci pour ta parole qui nous guérit encore ce matin. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Seigneur, à qui tu as donné le fardeau de pouvoir être attentif à chaque fois que ton serviteur, le moindre que je suis, le vermisseau d'entre les 10 milliers, s'assoit pour pouvoir parler la part du Seigneur Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Depuis hier, mon Facebook a un petit problème. Je ne sais pas si c'est un petit problème ou c'est un sérieux problème. C'est que les vues, ça veut dire que quand ça fait, on a 1000 vues, ça met une vue. Quand c'est 2000 vues, ça met deux vues. Dans le direct d'hier, vous allez voir, c'est écrit 12 vues. Donc, il y a les zéros qui ne s'affichent pas. J'espère qu'aujourd'hui, ce problème sera résolu. Donc, il y a les zéros qui ne s'affichent pas. Parce que le direct d'hier, je pense qu'on a été suivi par 12 000 personnes. Et nous attendons plus encore. Tu as une responsabilité dans ce forum. Le Seigneur est en train de répandre la connaissance, la vraie connaissance de sa parole. Et lorsque Dieu vous met dans une situation comme celle-ci, c'est un peu comme la situation d'Esther dans le palais d'Assuérus. C'est pour la délivrance et la répansion de l'évangile au milieu des croyants et des non-croyants. Donc si Dieu t'a donné la grâce d'être dans un forum, partage notre direct dedans. Dieu t'a donné la grâce d'être dans un groupe, partage notre direct à l'intérieur de ce groupe. Voilà. Aimons la vidéo, envoyons des cœurs, envoyons des pouces bleus. Et voilà, abonnons-nous si on n'est pas encore abonné. Nous allons bénir le nom du Seigneur et on va commencer ce matin. Seigneur, te bénissons. De toutes les nations où nos frères, nos soeurs sont rassemblés ce matin pour écouter ce direct. Seigneur, merci parce que tu m'exauces. Bénis-les. Bénis chacun d'eux. Tous ceux qui subissent des attaques de sorcellerie, Seigneur, délivre-les. Tous ceux qui sont bloqués dans leur vie, Seigneur, débloque leur vie. Tous ceux qui éprouvent des difficultés à marquer leur génération, Seigneur, à partir de ce matin, je prie qu'ils commencent à marquer leur génération. Que l'œuvre de l'ennemi soit anathème dans leur vie. Tous ceux qui sont captifs des prisons de sorcellerie, dans les boîtes, dans des cages, enterrés dans des cimetières, Seigneur, je proclame leur délivrance au nom puissant et souverain de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, Seigneur, que l'Esprit de Christ les remplisse maintenant jusqu'au débordement. Qu'une grande grâce repose sur eux. Que leur esprit soit béni et visité par le Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures et qu'ils nouent d'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, merci parce que ta souveraineté agissant ce matin. Glorifie ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Fermez-moi la porte là, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà. Donc, nous allons commencer où nous sommes arrêtés hier. Nous bénissons le Seigneur. Ah, c'est 12 cas. Voilà, c'est ça. C'est 12 cas vus. Ok, d'accord, merci. Ça dit 12 000 vues. Tout malade qui est en train de me suivre, avant la fin de ce direct, tu te sentiras guéri. Quelle que soit la maladie, avant la fin, quand je dis au nom de Jésus à la fin là, quand tu dis Amen, tu es guéri. Quiconque a une situation compliquée où tu as essayé de tes propres forces, tu n'as pas eu de solution. Quand j'ai dit à la fin, au nom de Jésus-Christ là, tu dis Amen. Dieu va résoudre cette situation au nom puissant de Jésus. Quiconque traverse la vallée de Baca, la vallée de la confusion, avant que je ne finisse, la vérité t'affranchira et tu sauras que Jésus-Christ t'aime
et que tu n'es pas seul. Donc, dis à Dieu, Seigneur, par la parole de ton nom, je confesse et je déclare qu'avant la fin de ce direct, les anges du Seigneur prennent en charge mon problème. Si tu fais cette prière avec foi, automatiquement, il en sera ainsi dans le nom précieux et souverain de Jésus. Toute personne parmi vous dont la vie a été fauchée dans la sorcellerie, dans le nom souverain de Jésus, à la mention du nom duquel tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans le ciel, ce problème fléchit les genoux devant toi maintenant. Si tu dis Amen, je te le dis en vérité. Unis-toi à moi dans la prière. Le Seigneur soumet ce problème. Ce problème est résolu immédiatement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, je voudrais parler à tous ceux qui ont été mordus par la race de la vipère. Nous parlons de la race de la vipère, de cette race qui est cachée, infiltrée dans la maison de Dieu afin d'envenimer la destinée de ceux qui servent Dieu dans la vérité. Toute personne dont la vie a été empoisonnée dans la sorcellerie, ta vie a été attaquée, reçois la guérison par les maîtrises de Jésus. Il y a un remède contre les poisons de Satan, contre les poisons des sorciers, contre les poisons des méchants, contre l'enchantement, les incantations et la pratique de la sorcellerie. La Bible dit, par ce maître, si vous avez été guéri. Et je crois fermement en cette déclaration de la parole. Et je te déclare au nom de Jésus, par le manteau de Dieu que je porte, par la vocation de Dieu dans ma vie, par ces années où j'ai marché avec Dieu, je déclare que tout poison de l'ennemi dans ta vie est transformé en vitamine B complexe, au nom précieux de Jésus. Toute maladie corporelle, toute maladie spirituelle, toute maladie sentimentale, toute maladie financière, toute maladie professionnelle, les poisons professionnels, au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses-là libèrent ta vie immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toute prophétie de vos ennemis contre votre vie, je les annule maintenant dans le nom précieux de Jésus. Tout le mal qu'on a dit contre ta vie n'arrivera pas. Si ça avait commencé à t'atteindre, à partir d'aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Ceux qui t'ont insulté, ceux qui te méprisent, ceux qui ont fait de toi un sujet de sarcasme, de raillerie, de honte et de risée, l'Éternel les ridiculisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te libère. Le Seigneur t'a franchi. Le Seigneur coupe les liens maléfiques dans ta vie au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui me suit, dont le cœur est vrai, le cœur est pur, reçoit la délivrance. Partage la vidéo à tes enfants. Envoie le lien à ta famille. Parce que pendant que je proclame ces paroles prophétiques, la gloire de Christ éclairera les ténèbres de ta vie, les ténèbres de ta famille, les ténèbres dans ta carrière, les ténèbres dans ta vie sentimentale, tout domaine de ta vie qui avait été englouti par pinocytose ou par phagocytose est délivré, éclairé par la lumière de la parole dans le nom souverain de Jésus. David a dit ceci, ta parole est une lampe sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière. Il dit, ta parole m'éclaire. Que cette parole t'éclaire. La Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres voient la lumière et se dissipent. C'est-à-dire, et s'enfuient. Toute ténèbre dans ta vie, toute pratique de sorcellerie, tout cordon ombilical maléfique qui te relie aux autels familiaux du côté de ton père ou du côté de ta mère, je coupe ce cordon ombilical invisible qui influence négativement ta vie dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Avant d'entrer dans la race de vipère, permettez-moi de pouvoir mettre le décor en partageant avec vous un résumé de l'enseignement que nous avons eu hier. Parce que nous sommes dans la guerre de l'Éternel déclarée contre nos ennemis. Toute puissance de l'ennemi dans ta vie sera vaincue. Tes ennemis vont mordre la poussière
Tu crois, tu dis Amen. Dieu accomplit cette prophétie dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'or et l'argent. Tu as besoin de la parole de Dieu proclamée par la bouche d'un homme ouai. Un homme mandaté par Dieu pour ta délivrance et ta libération. Bien-aimé, nous sommes dans la ville de Douala pour la libération des habitants de cette ville. Donc si vous êtes dans cette ville et vous n'êtes pas en Dogbon ce soir à 16h, pour la continuité des guerres de l'Éternel, je te dis la vérité, c'est que tu n'aimes pas ta vie. C'est que tu aimes tes problèmes. C'est que tu aimes les démons qui sont en train d'ensorceler ton existence. Mais toute personne qui croit qu'un prophète a foulé le sol de cette ville et qui croit que si elle sera en Dogbon, Dieu donnera une solution à son problème. Elle doit se mettre en route à partir de 16h. Tu dois être en Dogbon. Tu dois être en Dogbon. Quel que soit ton problème, quatrième Dogbon, derrière l'immeuble Kamler, la main de Dieu va se manifester puissamment. Nous sommes dans une saison où Dieu apporte une grande restauration et une grande délivrance au milieu de son peuple. La confusion prend fin dans ta vie. La honte prend fin dans ta vie. La déception prend fin dans ta vie. Les maux, les maladies, toutes ces choses, la parole de Jésus peut t'apporter l'affranchissement. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Nous avons vu hier que Laban, le beau-père de Jacob, était un sorcier. Parce qu'il avait des téraphins, il avait des dieux, des divinités auxquels il vouait son culte. Et alors, quelque chose s'est passé. Jacob a été dans sa maison pendant plusieurs décennies. Mais Jacob n'a jamais imité les mauvaises voies de Laban et il n'a jamais adoré les dieux de Laban. Comme pour dire que tu peux être dans une génération corrompue et perverse comme la nôtre, mais cependant rester ferme dans ta foi, être fidèle à ton Dieu. Des deux femmes que Jacob a aimées, Léa a cru au Dieu de Jacob et s'est attachée à son Dieu. Mais Rachel que Jacob aimait s'est attachée aux divinités de son père, aux faux dieux de son père. Aussi, le cordon ombilical spirituel de l'autel de la maison de son père a crié contre elle dans son mariage. Elle n'a pas eu d'enfant pendant des décennies. Elle s'est battue pour avoir des enfants. Or, Léa, qui avait été libérée du cordon spirituel de son père et de ses influences maléfiques en se détournant de l'adoration des dieux de Laban, a eu facilement des enfants. Elle en a tellement eu. Ça montre clairement que lorsque vous n'êtes pas affranchi de l'influence du cordon ombilical maléfique, de l'autel de la maison de votre père ou de votre mère, les malédictions de la maison de votre père et de votre mère auront une influence sur votre vie. La Bible l'expose clairement. Voilà pourquoi Rachel, les autels de son père, les dieux de son père ont attaché son ventre. Elle n'a pas pu avoir des enfants pendant des années. Elle a arrêté son mari lui demandant de lui donner des enfants. Jacob lui a dit, suis-je Dieu qui t'a rendu stérile? La Bible dit qu'elle n'a pas pu accoucher. Mais sa sœur, qui s'était détournée des influences spirituelles et de l'adoration des dieux de son père pour s'attacher à son mari Jacob et croire au Dieu de son mari, elle n'a eu aucun problème d'enfantement. Sa vie était prospère. Le succès l'accompagnait dans toutes ses entreprises. Jusqu'au jour où Rachel s'est rendu compte que les téraphins de son père criaient contre sa vie, contre son bonheur et contre ses entrailles, qu'elle s'en détourne pour invoquer le nom de Dieu, du Dieu de Jacob. Et la Bible dit que ce n'est qu'après ce fait qu'elle a eu deux enfants. Mais malheureusement, même comme ça, elle ne s'en est pas sortie. Donc, chers amis, nous devons nous séparer de l'influence des autels, de nos familles. C'est une réalité. Toute personne au son de ma voix qui est encore en rapport avec le cordon ombilical de la maison de son père ou de sa mère, je me tiens ici par l'autorité, le mandat de Jésus dans ma vie et je coupe ce cordon au nom souverain de Jésus. Je coupe ce cordon au nom précieux de Jésus de Nazareth. Sois libéré, sois libre de toute influence maléfique. Que Dieu te bénisse. Alors nous parlons maintenant de la race de la vipère. La race de la vipère. Nous avons vu hier qu'il y a une race dangereuse. Les enfants de Satan qu'il a injecté dans les églises pour confondre nos églises aujourd'hui. Parmi les hommes de Dieu, ce n'est pas tous ceux qui disent être hommes de Dieu
qui sont hommes de Dieu. C'est ça la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui se disent enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, qui est vrai et qui est faux? C'est un grand débat dans l'église aujourd'hui. Celui qui est vrai, c'est celui-là qui fait la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et celui qui est faux, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu qui est dans les cieux. C'est simple. Le débat est clos. On s'arrête là. Dans la race de vipère, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, vous pouvez aller dans le direct d'hier. On a décrit ce que c'est que la race de vipère dans l'église. On a lu Matthieu 23, verset 33. On a lu Matthieu 12, verset 34. On a vu leur mission dans Actes 13, verset 10. Leur mission, c'est de pervertir les voies droites du Seigneur. Pervertir les voies droites du Seigneur. Le diable a ses enfants envoyés en mission dans l'église de Dieu aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, à la vraie église de Dieu, de Papa Nesotokea. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, pour moi, je croyais que dans l'église, on peut plus voir la sorcellerie. Que la sorcellerie, le sorcier ne peut pas entrer dans l'église. Ça, c'était ma foi naïve. Quel sorcier ne peut pas entrer dans l'église? Quel pécheur, pardon, quel pécheur ne peut pas entrer dans l'église? Voilà ce en quoi je croyais. Quand je lisais la Bible, je me disais que l'église, c'était le paradis. Mais je me trompais énormément. Alors, quand je suis quitté de Ngaoundéré, à cause de la persécution de ma famille, et que je me suis retrouvé en Ngaoundal, j'étais très engagé dans la jeunesse. Trop engagé. Trop engagé. Et nous avions un président de la jeunesse aussi très, très engagé. Alors, après quelques années, il y a un événement qui a chamboulé ma vie et qui a transformé ma manière de voir le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a au moins une ou deux personnes qui me suivent ce matin et qui ont la même conception que moi aussi j'avais quand j'étais nouveau converti. Ça, c'est les choses de 2014, 1994 ou 1995. Alors, après plusieurs années, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la jeunesse, qui était comme le pasteur des jeunes, un jour, j'étais à l'école, je faisais la classe de quatrième. Je passais de cinquième pour quatrième. Quand je rentre, je trouve l'église en ébullition, en émoi. Je demande, il y a quoi? C'était des cris de confusion. Et on m'explique qu'en fait, notre président de la jeunesse que nous prenions comme un modèle est un sorcier. Qu'il a confessé qu'il est sorcier. Et que sa mère, celle qui avait donné le terrain à l'église, était sorcière et qu'elle est sa femme dans la sorcellerie. Bien aimé, j'ai failli m'évanouir. Le président de la jeunesse qui était mon modèle, mon exemple, ma source d'inspiration, lui, sorcier, et sa maman, qui était un exemple pour les jeunes femmes à l'église, sorcière, et de surcroît, son épouse dans la sorcellerie. Non, bien aimé. Et que ses frères et sœurs, et ce jour, il s'est mis à confesser comme si la folie l'avait attrapé. Sa mère lui disait, ne parle pas, ferme ta bouche. Et il a dit à sa mère en public, si tu veux mourir, moi je ne veux pas mourir. Voici l'ange de Dieu avait une épée nue entre ses mains. Et il me dit que si je ne confesse pas, il va me tuer. Je ne veux pas mourir, je veux confesser. Je suis sorcier. Le gars commençait à dire le mal qu'il a fait à tous les enfants de Dieu de l'église qui ne priaient pas bien, qui ne se sanctifiaient pas. Il expliquait celui qui bloquait nos études. Il avait lancé un esprit d'impudicité dans l'église. Bien aimé. Et nous avions souffert de l'impudicité à cette époque. Il a expliqué que tel enfant qui était mort, c'est nous qui l'avons mangé. Tel voisin qui est mort, c'est nous qui l'avons tué. J'étais comme ça. Je n'en revenais pas. Je ne croyais pas. Quelqu'un qui parlait en langue, qui évangélisait avec zèle, qui prêchait à l'église avec puissance, mais qui a fini par confesser
qu'il était un roi dans la sorcellerie et que le mont Gaoundal était leur palais. Bien-aimé, quand j'ai appris ça, j'étais scandalisé au plus haut niveau. Comment les sorciers pouvaient-ils prospérer dans l'église du Dieu vivant? Et ils ont dit qu'en fait, quand la vraie église est arrivée en Gaoundal, on leur a dit que le nom de Jésus était très puissant. Et ils ont donc donné leur terrain à l'église pour tester la puissance de Jésus. Et à la fin, ils ont témoigné que le nom de Jésus-Christ n'est pas l'égal d'aucun autre nom. L'ange de Dieu les a saisis. Leurs œuvres maléfiques, bien aimées, ont prié à l'église. Le pasteur crie à l'autel. Ouais, ils m'ont arrêté le pied, ils m'ont attrapé le pied. La brebis crie là-bas, oh, on est en train d'appuyer mon cou. Je vous dis une histoire vraie. La vraie église de Dieu de Ngaoundal allait demander ça maintenant. Le pasteur crie à l'autel. T'es crié là-bas, moi, les démons apparaissaient physiquement. C'est-à-dire, c'est pas que le sorcier t'apparaît dans le rêve. Je dors, je sens la présence de quelqu'un debout. Quand je me retourne, je vois la personne comme une ombre qui saute sur moi, attrape mon cou. Et j'étais un nouveau converti. Je n'avais pas encore les clés du combat spirituel. Pourquoi? Parce que ceux que nous pensions être des frères en Christ, des anciens, celle qui était même la conseillère du pasteur, était reine dans la sorcellerie. Je parle d'une histoire vraie. Dans l'église, il y avait une grande famille de rats sous le ciment. Quand vous commencez à nous prier, vous entendez les gens sortent de l'église en courant. Ce que nous avons vécu dans cette église, avant qu'ils ne confessent, la race de vipère est une réalité. La race de vipère est une réalité. Il y a des gens parmi nous qui ont l'apparence de la justice, mais qui ont renié ce qui fait la force de la justice, à savoir Jésus-Christ et la vie de sainteté. Lorsque je suis tombé malade, écoutez bien, j'ai failli mourir. Mon cœur innocent m'a sauvé. Le même cœur qui me sauve aujourd'hui est le même cœur qui m'a sauvé dans le passé, dès le début. Quand vous servez Dieu sincèrement, vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez avoir des faiblesses. Mais il est important d'être trouvé innocent dans ta manière de servir Dieu. Parce que si ton cœur est mauvais, tu ne peux pas échapper à la race de la vipère. Tu ne peux pas échapper. Elle est là pour te faire du mal, pour nuire à ton évolution, nuire à ta vie et à ta destinée. Frère, j'ai fait un rêve. Vous savez que le plus souvent, les sorciers nous attaquent dans les rêves. C'est dans les rêves que les sorciers nous attaquent. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que si vous rêvez qu'on vous poursuit dans la nuit et on vous attrape, bien aimé, vous êtes dans les problèmes. Vous êtes dans les problèmes, c'est sérieux. Ou tu rêves que tu es dans une prison. C'est grave, c'est très dangereux. Prends des jours de prière pour briser les portes de cette prison, les verrous de fer de cette prison. Ne prends pas ça à la légère, ça veut dire que spirituellement, on t'a enfermé. Arrêtez ça. Spirituellement, on t'a enfermé. C'est ça la réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent la race de la vipère à la légère. J'ai rêvé. Dans le rêve, on me poursuivait et on m'a arrêté. Quand on m'arrête, on m'amène dans un village. C'était des personnes vêtues de noir. Elles m'ont amené dans un village, dans leur village. Quand j'arrive dans leur village, ça c'est la première fois, le premier rêve. J'arrive dans leur village, ils vont m'attacher à côté d'un, un corbeau. À côté d'un corbeau. Ils m'attachent à côté d'un corbeau. Et ils demandent au corbeau de me garder. Pendant qu'ils vont chercher le bois pour venir me préparer. C'était la sorcellerie. Bien-aimé, elle venait pas de loin. Elle venait de la maison de Dieu. J'étais un nouveau converti. Je sortais de l'islam. Je sortais nouvellement de l'islam. De la pratique de ces choses. Je me disais que le christianisme, c'est... Donc, j'étais en train d'expliquer que... J'ai donc le rêve. Beaucoup de chrétiens jouent avec les rêves. J'ai l'habitude de dire que... Les rêves ne sont pas des rêves. Le rêve n'est pas un rêve. Lorsqu'un sorcier veut t'attaquer, c'est ton esprit qui l'attaque, pas le corps d'abord. C'est l'esprit. Vous avez vu qu'un sorcier est venu manger quelqu'un et son doigt disparaît? Non. C'est dans le spirituel, la bataille est spirituelle. C'est ça que l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles.
Il dit, nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Or, la foi, c'est dans l'invisible. Donc, dans le rêve, je rêve qu'on m'a arrêté. Et donc, on m'amène dans un village. Et ils vont chercher du bois pour venir me briser dans le rêve. Et ils me laissent avec un oiseau pour me garder. Et cet oiseau était comme leur avion qui les transportait. C'est comme un corbeau. Et dans le rêve, vous voyez bien, je vais vous expliquer des mystères qui sont simples, mais qui peuvent vous aider. Quand tu rêves et il y a un problème, on t'attaque, tu ne peux pas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le rêve, ça veut dire qu'il y a une saleté dans ta vie. Il y a une souillure dans ta vie. Il y a une fissuration spirituelle dans ta vie. Lorsque dans un rêve, tu n'arrives pas à prononcer le nom de Jésus, tu n'arrives pas à prononcer ce nom, il y a un péché caché dans ta vie. Ou bien dans un rêve, on te poursuit, tu n'arrives pas à courir. Tu cours comme si c'est masse à rien que tu faisais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Lorsque vous vous sanctifiez et que votre vie spirituelle est bonne dans le rêve, quand vous poursuivez, vous envolez même. Tu trouves que tu t'envoles. C'est ça la réalité, c'est ça la différence. Donc, bien aimé, quelque chose va se passer. Quand on me laisse avec cet oiseau, je me dis que bon, l'oiseau, si il faut, je peux un peu appuyer son cou et fuir. Parce que si les gens là reviennent me trouver ici, je suis fini. J'ai sauté sur l'oiseau dans la vision. J'ai attrapé son cou. On a bagarré. Et j'ai appuyé la tête de l'oiseau bien. J'ai bien appuyé son cou. Et je l'ai tué. Et j'ai fui. Et j'ai échappé. Et à chaque fois que je faisais un rêve comme ça, c'est parce que j'étais malade. Je tombais gravement malade au point où on pensait que je suis mort. Et la deuxième fois, je fais encore la même vision. Dans les années 1996, j'ai environ 2 ans dans la foi, environ. Cette fois-ci, on m'arrête encore. Des personnes vêtues de noir, toutes noires comme des ombres, me chassent dans la sorcellerie et m'arrêtent. Et quand elles m'arrêtent, elles m'amènent encore dans le village. Mais cette fois, dans le village, il y avait un vieux, lugubre, monstrueux, avec un visage assassin, qui était assis comme le prêtre. Il était comme le patriarche de ce village de sorciers. Ce village, il n'y avait que des sorciers. Et ils sont arrivés, ils m'ont fait asseoir autour de leur feu. Et le vieux leur a dit, avant de le manger, nous allons d'abord fêter. Et ils ont commencé à faire la fête. Ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête. Et à un moment, il y avait des motocross qui étaient garées. Il y avait des motocross garées. Il y avait 3 motocross ou 4 garées. Pendant qu'ils faisaient la fête, j'ai dit à moi-même, ils sont distraits à danser. Je peux sauter sur une des motos et je fuis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté rapidement sur une des motos. Pam! J'ai pris la fuite. Si tu rêves qu'on couche avec toi, tu es dans les problèmes. Tu rêves que tu marches dans les excréments, tu es dans les problèmes. C'est des choses réelles. Les rêves ne sont pas que des rêves. Tu rêves que tu es dans un lieu. Ton esprit est vraiment dans ce lieu, mon ami. L'esprit est dans ce lieu. C'est dangereux. Et donc, j'ai sauté sur la moto et je me suis enfui. Et deux ont sauté aussi sur les 2 motos qui restaient pour me poursuivre. Et on a commencé à rouler. J'accélérais comme si je n'accélérais pas. Nous sommes arrivés sur une piste, une route non goudronnée. Il y a une petite voiture blanche, toute blanche, d'une beauté éclatante, qui venait. C'est-à-dire qu'à ma gauche. Et il y a une autre voiture qui était devant moi. Donc comme les 2 voitures devraient se rencontrer, l'autre passait, et la blanche venait en face de moi, j'étais obligé de ralentir. Et en ralentissant, je regardais derrière. Et les sorciers là sur leur moto étaient en train de me rattraper immédiatement. Et je me disais, ouais, le monsieur de la voiture, comment il est en train de ralentir plus tôt? On va me rattraper bientôt. Mais mon attention était retenue par la blancheur, la limpidité de la blancheur et l'éclat de la voiture. Alors, la voiture a garé plus tôt et j'ai ralenti. La portière de la voiture s'est ouverte. Quand la portière s'est ouverte, il y a un monsieur glorieux, splendide et auguste, vêtu de blanc éclatant,
avec une gloire que la bouche d'un homme est indigne de décrire, qui est descendu de la voiture. Et il avait des souliers en cuir aux pieds. Il m'a regardé et il m'a souri. Quand il m'a souri, je me suis retourné pour regarder les deux sorciers qui étaient derrière ma vie. J'ai lu la terreur dans leurs yeux. Mais ils ne me regardaient pas, ils regardaient quelqu'un devant moi. Celui qui attire plutôt mon attention, qui a quelqu'un devant moi. C'est quand je me retourne que je vois que quelqu'un est en train de sortir de la voiture. Et la personne était en train de regarder ces sorciers. Ils se sont retournés en catastrophe. Ils ont fui comme si le feu était derrière eux. Quand je me retourne, je regarde cet homme. Il me sourit. Cet être splendide et merveilleux et glorieux. Et puis il m'a dit, entre dans ma voiture. Je suis entré dans la voiture. Il m'a conduit, bien-aimé, dans l'un de ces palais. De toute ma vie de chrétien, voici bientôt 30 ans que je sers le Seigneur Jésus. Je n'ai vu ce palais que deux fois dans ma vie. Deux fois. La première fois, c'est quand, je pense, la première fois, c'était dans une vision. Dans cette vision, j'étais avec quelqu'un. Et le même être m'a dit, je venais de croire, c'était dans les années 95 ou 94. Et il m'a dit ceci. Voici le chemin que tu dois suivre désormais toute ta vie. Et il m'a dit, va. J'ai commencé à suivre ce chemin. Je suivais le chemin. Je suivais le chemin. Et le chemin était un chemin difficile, bien-aimé. C'est un chemin difficile. J'ai souffert cette nuit. Voilà le genre de rêve. Que tu te réveilles le matin, tu as des séquelles corporelles. J'ai souffert toute la nuit. Le rêve a duré toute une nuit. Je marchais. Je courais. Il y avait des montagnes. Je me souviens qu'il y avait parfois des montagnes gargantuesques devant moi dans la vision. Et il fallait escalader. Les pieds des rochers, des longs rochers, des grands rochers. Tu n'as même pas où t'accrocher, mais tu dois aller. Parfois, je glissais, je revenais en bas du rocher. Et un ange était à côté, il me disait, reprends. Et je reprenais. Je souffrais. Et parfois, sur la montagne, j'arrivais, je trouvais un jardin d'épines. Et j'étais pieds nus dans la vision. Et je regarde les épines. Je me mets à pleurer avant même de commencer la traversée du champ d'épines. L'ange me dit, ne te décourage pas, vas-y. Et je commence à marcher sur les épines. Le sol trempé du sang de mes pieds. Je traverse. Après, j'arrive là-bas, c'est des lianes. Il faut attraper des lianes. Frère, j'ai souffert toute cette nuit. Dans ce long voyage. Vers je ne sais où. Quand j'ai atteint le sommet de la montagne, derrière, c'était le contraire de ce qu'il y avait dans ce versant de la montagne. Derrière, c'était beau. Derrière la montagne, c'était splendide. Derrière la montagne, c'était mirifique. C'était mirobolant. C'était jolissime. Bien-aimé, il y avait un de ces palais, loin là-bas en bas, avec un de ces jardins tels que je n'ai jamais vu, même dans les films de science-fiction les plus fous. Et puis l'ange qui m'accompagnait pendant tout ce voyage s'est approché de moi. Il m'a dit, voilà, c'est là la destination finale. C'est là le lieu de ton repos. Et je me suis réveillé. La sueur trempait tout mon corps. Les plantes de mes pieds qui me faisaient mal. Et j'étais un nouveau converti. Je ne comprenais rien du christianisme à l'époque. Je venais juste d'entrer à l'église. Peut-être pour quelques, j'avais peut-être deux semaines de christianisme. Aujourd'hui, c'est le reflet de ma vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les rêves sont réels. Dans la vision, l'homme en blanc, qui était le Seigneur Jésus-Christ, m'a dit d'entrer dans sa voiture. Je suis entré dans la voiture. Frère, pendant que je faisais le rêve ici, j'étais malade, mourant, et je perdais connaissance plusieurs fois. C'est-à-dire, j'étais dans un état comateux de temps en temps. J'entrais dans le coma, je sortais. On m'a porté pour aller me faire dormir dans la maison du président de la jeunesse qui était un roi dans la sorcellerie. Nous ne savions pas pour qui m'achève. La race de la vipère se revêt de robes blanches. Quand tu les vois, ils priment plus que les vrais enfants de Dieu. Ils jeûnent plus que les vrais enfants de Dieu. Ils évangélisent plus que les vrais enfants de Dieu. Mais ils calculent les faibles parmi nous pour en découdre avec nous. Que Dieu les expose. Que la race de la vipère soit exposée au nom puissant et souverain de Jésus. Cette race, elle est envoyée en mission pour épouser les vrais enfants de Dieu.
Il y a nos jeunes soeurs qui doivent se méfier. Méfiez-vous du mariage. Il y a des hommes de Dieu dont le ministère a été détruit par la race de la vipère. Je dormais dans le nid de la vipère sans le savoir. Mon père spirituel n'avait pas les yeux ouverts pour voir, pour me délivrer. Je dormais là-bas et c'est là que j'ai la vision. Et donc le Seigneur me prend, il m'amène dans son palais. Un palais d'une beauté, je ne sais pas. Oh Dieu, ouvre leurs yeux pour voir la beauté de ton royaume. La nouvelle Jérusalem, c'est quelque chose, mes bien-aimés. C'est pour ça que parfois, même quand c'est dur, je me relève. Je dis, je vais continuer. Surtout que j'ai vu comment Bomi s'est battu. Elle a porté sa couronne d'or sur la tête. Je dis, j'irai là-bas. J'arriverai là-bas. Coûte que faille, nous arriverons. La race de vipère ne nous empêchera pas d'arriver. Le venin de Satan ne nous empêchera pas d'arriver. Nous arriverons. Le palais était beau, bien-aimé. Le palais était enjolant et enjolé. Et donc le Seigneur a pris de l'eau. Il a pris, il y a les gobelets en inox là. Il voulait de l'eau. Et j'ai dit, mon Seigneur, que je peux te puiser de l'eau. Il m'a regardé, il a souri. Il m'a dit, ça va. Il allait la puiser de l'eau. Et il m'a dit, tu es affranchi. Et je me suis réveillé dans la chambre du gars là. J'étais guéri. J'étais guéri. Le matin, j'étais guéri. Je suis sorti libre. Libre. Jésus-Christ m'avait affranchi. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, notre Jésus. Il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ n'est pas une utopie. Jésus n'est pas un mirage. Jésus n'est pas une invention. Jésus-Christ est réel. Il est réel. Il veut être ton ami aujourd'hui. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le verras. Je suis parfois époustouflé, dérangé. Lorsque je vois des enfants de Dieu qui n'ont jamais vu une représentation du Seigneur Jésus-Christ, lorsque je vois des enfants de Dieu qui n'ont jamais entendu la voix de leur Seigneur, de leur Sauveur, si tu n'entends pas la voix de ton Dieu pendant que tu vis, comment as-tu l'assurance qu'après ta mort, tu iras au bon endroit? C'est la question qu'on doit se poser. La race de la vipère est méchante au milieu de nous. C'est cette race qui apporte les divisions dans l'église, les calomnies. Ils sont déguisés en hommes de Dieu, déguisés en enfants de Dieu. Ils calculent les vrais enfants de Dieu. Quand j'étais au séminaire de théologie, quelque chose s'est passé. Un de nos professeurs, qu'on appelle Daddy Ogania, non, c'était pas Ogania, c'était Papa Yon. C'était le pasteur Yon. Il dit que dans une de leurs églises, Assemblée de Dieu au Nigeria, un pasteur a été invité dans une église. Écoute-moi bien, écoute bien. Peut-être que tu as une race de vipères avec toi. Peut-être la vipère a déjà pris ta vie en otage, mais tu ne sais pas. La Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et donc le prédicateur, si, quand il est arrivé dans cette église, Assemblée de Dieu au Nigeria, comme l'heure de sa prédication n'était pas encore arrivée, il allait visiter l'école du dimanche. Et donc on lui a présenté le fils du pasteur qui avait peut-être 7 ans. Et il a vu une jeune fille qui avait environ 5 ans ou 6 ans. Et il demande à la jeune fille, à la petite fille, comment tu t'appelles? L'enfant lui répond, je m'appelle la reine de Côte. Il dit pardon. Elle dit, je m'appelle Mami Wata. La monitrice de l'école du dimanche la reprend et dit au pasteur que non, c'est pas vrai. Elle s'appelle Sophie, c'est un exemple, j'ai oublié le nom de l'enfant. Elle s'appelle Sophie. Et le pasteur dit à la monitrice, non, laisse-la parler. Et il demande à quoi la jeune fille de 6 ans, tu t'appelles, tu es qui? Elle dit, je suis la reine de Côte. Je suis une Mami Wata. Elle lui demande, tu fais quoi dans l'école de dimanche? Et elle dit que je suis là pour Stéphane. Et Stéphane, c'était le fils du prophète, du pasteur de l'église. Je suis là pour Stéphane. Et il lui demande que tu es là pour lui comment? C'est encore un enfant. Et elle lui répond que on m'a envoyé d'être à côté de lui dès maintenant, de le suivre partout où il ira, de grandir avec lui, de le séduire, en sorte que quand il va grandir, il n'aime plus notre fille en dehors de moi. Il va m'épouser. Parce que nous avons vu le signalement
de son ministère dans le monde des ténèbres. Et nous savons que son onction se met cette fois, celle de son Père. Et nous ne voulons pas qu'il détruise nos intérêts. C'est pour cela que dès maintenant, je suis en mission dans sa vie pour le séduire, pour qu'il m'aime, il m'épouse et je détruis son ministère. C'est une réalité. Pour ceux qui sont à la vraie église de Dieu, de Papa Nesotoukea, ils savent le témoignage d'un frère qui s'est marié. Il s'est marié, ça c'est une histoire vraie, à la vraie église. Il s'est marié avec une soeur dont les hommes de Dieu lui avaient dit non. La soeur s'y vient d'arriver. Nous n'avons pas encore confiance. On ne connaît pas bien son histoire. Mais elle a dit non, non, c'est elle que j'aime, c'est elle, parce que la fille était belle. Il épouse donc la fille. Le jour où ils sont arrivés dans la maison, le jour du mariage, pas le lendemain, le même jour, quand la fille a enlevé la robe de mariée dans la chambre, elle lui a dit dans la chambre que tu as épousé le diable. Je suis Satan. Tu as épousé le démon. Tu as amené le démon dans ta maison. Il n'a pas fait une semaine. C'est un pasteur zélé de la vraie église de Dieu, de Papa Nestor Toukeya. Un pasteur zélé qui avait de l'avenir. Il n'a plus fait deux semaines. Il a rétrogradé jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu un adultère, un buveur, etc. La femme-là lui a montré le feu. Elle l'a combattu. Elle l'a séduit son cœur. Cet homme a été rejeté. Il a été abandonné. Et il a abandonné la foi. Donc, la race de vipère est une réalité. La Bible dit, homme plein de toute espèce de ruse. C'est une espèce rusée. Il te prend par la ruse. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas sincères. C'est des menteurs, c'est des hypocrites. Lorsque tu prends pour ami quelqu'un qui est de la race, de la descendance de la vipère, tu es mort. Il te montrera un faux amour de Christ, une fausse compassion, une fausse miséricorde. Il attendra le bon moment pour frapper. Vous pensez que Jésus a donné les finances à Judas, pourquoi? Parce que Judas était quelqu'un de confiance, apparemment, en apparence. C'est quelqu'un qui donnait l'impression d'aimer tellement Jésus que Jésus lui a donné son argent. Il n'a pas donné son argent, pourquoi? Il n'a pas donné à Barthélemy, pourquoi? Il n'a pas donné à Matthieu, pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas confiance. On ne confie pas l'argent à quelqu'un en qui on n'a pas confiance, mes amis. Mais Judas était de la race de la vipère. Finalement, à la fin, Judas a mordu Jésus. Il a trahi, il a vendu. C'est une race qui n'a pas d'amis. Même parmi nous, les hommes de Dieu, il y en a qui sont de la race de la vipère, envoyés par Satan déguisés comme des hommes de Dieu, mais qui sont là. Leur travail, c'est de calomnier d'autres hommes de Dieu. Chercher la chute des autres hommes de Dieu. Chercher la mort des autres hommes de Dieu. Proclamer la mort de leurs frères, des vrais hommes de Dieu. Écoutez, il y a une grave erreur dans l'église au Cameroun aujourd'hui. Je vais te donner cette révélation. Vous êtes des chrétiens, vous ne connaissez pas la réalité qui se passe dans le sacerdoce. Mes amis, est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a une espèce d'homme de Dieu que le diable a envoyé dans les églises, dans l'église du Dieu vivant? Leur travail, c'est de discréditer les vrais envoyés de Dieu pour que eux soient accrédités devant les brebis, en sorte que le vrai soit appelé faux et que le faux soit appelé vrai. Est-ce que vous le saviez? Il y a des hommes de Dieu dont le rôle n'est que de critiquer, de combattre, de chercher à détruire la véritable œuvre de Jésus, de vous faire penser que ceux que Dieu a envoyés pour votre salut, ce sont eux les bandits, c'est eux les voleurs, c'est eux ceci, c'est eux les sorciers. Pourtant, ce sont eux donc qui sont même des descendants de la vipère. Et lorsque vous aurez fini de tuer vos prophètes et ils vous feront boire le sang de vos prophètes, vous allez vous retourner à gauche, il n'y aura plus de prophètes. À droite, plus de prophètes. Devant, pas de prophètes. Derrière, pas de prophètes. Plus de prophéties. La parole de l'Éternel ne vous sera plus annoncée. Vous allez pleurer. Vous allez regretter, mais trop tard, nous ne serons plus là pour vous. Vous devez être sage. Lorsqu'un homme de Dieu ne passe sa vie qu'à critiquer d'autres hommes de Dieu qui travaillent de tout leur cœur, dans toute la simplicité, font tout dans un cœur vrai, droit et juste devant Dieu. Et il veut vous faire croire que ce sont des imposteurs.
Vous regardez à leur vie. Eux qui prétendent avoir Dieu. Ils ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire le 1 millième de ce que ceux qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas Dieu, ne sont pas de Dieu font. Quelqu'un te dit qu'un homme de Dieu qui a rempli le palais des sports est un faux. Rassembler 10 brebis le dépasse. Prêcher et amener 50 personnes à Christ le dépasse. Toi aussi, comme tu es là, tu ne lis même pas ta Bible, tu peux croire à quelqu'un comme ça et il t'amène en enfer. Le temps que tes yeux s'ouvrent, tu es déjà maudit tellement par Dieu parce que le venin de la malédiction des hommes de Dieu est entré en toi. Tu te retrouves seulement que tu es dénaturé par son message. Tout évangile qui met en toi le caractère du serpent vient du serpent. Il n'est pas de Dieu. Tu suis un homme de Dieu. Après quelques années, tu te rends compte que tu ne respectes aucun homme de Dieu. Le mépris des hommes de Dieu en toi. Tu insultes les hommes de Dieu là-bas. Tu mal parles des hommes de Dieu. Tu avais un homme de Dieu. Le fruit, c'est que tu es devenu calomniateur. Tu avais un homme de Dieu. Le fruit, c'est que tu retournes déjà dans les bars desquels Jésus t'avait sauvé. Tu es homme de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es avec un homme de Dieu. Après 1 an, 2 ans, tu te rends compte que tu as encore des copines et des copains. Pourquoi? Parce que ton homme de Dieu a des copines, elle a des copains. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'être égaré. La Beaufort dont tu avais renoncé, la 33 dont tu avais renoncé, le whisky dont tu avais renoncé, tu te retrouves en train de boire encore. Retourner dans tes vomissures, parce que cet homme de Dieu marche dans ces mêmes vomissures. Et il te dit que c'est les autres qui marchent dans la sainteté, la justice, qui sont faux. Le temps que tes yeux s'ouvrent, le péché, tu es redevenu esclave de tes péchés anciens de quels Dieu t'avait sauvé. Mais tu ne te rends pas compte que tu es devenu captif de la race de la vipère. Que tu es tombé entre les mains d'un mauvais qui se fait passer pour bon, de mauvais qu'il est. Si vous êtes avec un homme de Dieu, 1 an, votre vie ne change pas en bien. Si vous suivez le message d'un homme de Dieu, ce message vous pousse plutôt mal à la médisance, à la calomnie. Tu peux recevoir quoi d'un homme de Dieu qui passe sa vie à saquer les autres hommes de Dieu, à insulter les autres hommes de Dieu? C'est la sémence de l'injure envers les gloires que tu auras. Tu seras maudit comme lui. Tu seras maudit comme lui. C'est ça la vérité. Tu avais un homme de Dieu, tout ce qu'il connaît, c'est calomnier les gens. Tu seras aussi un calomniateur. Chaque brebis a l'image de son berger. Chaque brebis ne peut reproduire ce que son berger fait. Vous ne verrez jamais un vrai membre de notre ministère insulter un homme de Dieu. C'est interdit. Vous arrivez à Réma, vous attendez quelqu'un me dit d'un homme de Dieu, immédiatement vous savez que c'est une nouvelle personne. Tous mes vrais enfants savent que les hommes de Dieu c'est sacré. C'est un domaine privé. On ne touche pas. C'est un domaine qui appartient à Christ. C'est comme ça qu'on connaît nos vrais enfants. Si vous venez à Réma, vous trouvez quelqu'un qui insulte les hommes de Dieu ou qui parle avec de manière dévergogneuse contre les hommes de Dieu, c'est nouveau converti. Il vient d'ailleurs. Il n'est pas de chez nous. Nos enfants n'insultent pas les hommes de Dieu. Au contraire, ils ont un saint respect pour les hommes de Dieu. Parce que je leur ai enseigné cela. Ils ne sont qu'à l'image de leur père. C'est ça. Vous n'irez jamais dans la maison des membres de Réma et il prend le nom de tel frère, le nom de telle soeur. Nous ne sommes pas dedans chez nous. On ne fait pas ça. Si tu arrives chez une brebis de Réma, vous parlez, c'est de Jésus, de la Bible, du péché, la sanctification, comment faire vous plaire à Dieu, etc. Mais jamais un membre de notre assemblée ne va ouvrir sa bouche pour la haine, la jalousie, combattre. Vous ne verrez jamais les chrétiens de Réma combattre les chrétiens d'une autre église. Vous ne trouverez jamais les brebis de Réma mépriser les brebis d'une autre dénomination parce que disant que Réma est supérieur à tous. Non. Nos enfants considèrent tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, comme leurs frères. Au contraire, c'est les autres qui nous insultent. C'est les autres qui nous voient comme inférieurs. Mais sommes-nous inférieurs parce qu'ils pensent être supérieurs? Non, loin de là. Loin de là. Celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ça la parole qui doit vous être enseignée. Tu attendras quoi d'un homme de Dieu qui tous les jours il maudit d'autres hommes de Dieu? Toi-même, quand tu fais le jeu, il te maudit. Il t'insulte. Quand il apprend que tu es allé ailleurs,
Ou tu veux quitter son église, il te dit, si tu quittes, je vais te maudire. Hein? Ou tu avais un homme de Dieu qui te dit, en dehors de moi, il n'y a plus un homme de Dieu qui connaît la Bible comme moi. Bien-aimé, c'est une mauvaise sémence qui te parle. Ou en dehors de cette église, il n'y a plus d'autres vraies églises. C'est une mauvaise sémence. Il y a un esprit de séduction dedans. L'église, ce n'est pas la prison. J'ai l'habitude de dire ceci. Quand tu viens à Réma, je ne sais pas comment tu as fait pour venir. Donc pour partir, tu n'as pas besoin de me faire une demande. Je n'ai pas besoin de te donner une demande d'explication. Non, tu pars comme tu viens. Et tu viens comme tu pars. L'église, ce n'est pas une prison. Si c'est ta place, tu resteras. Dieu te maintiendra. Tu pars, tu n'étais pas pour nous, tu n'étais pas des nôtres. C'est simple. Je n'ai pas besoin de venir dans mon pupitre, commencer à vous dire, méfiez-vous des hommes de Dieu dehors. Il y a des sorciers dehors. Il y a des djoujou dehors. Ne sortez jamais de l'église ici. Sinon, vous allez vous perdre. Non, bien-aimés, c'est faux. Le gardien de nos âmes, c'est Christ. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il dit, ego eimihe opohimen, hokalon. Moi, je suis le bon berger. Aucun pasteur ne peut surveiller une brebis. Comme un homme ne peut pas surveiller sa femme et comme une femme ne peut pas surveiller son mari. C'est la même chose. Le rôle d'un homme de Dieu n'est pas de surveiller, de jouer à la police, au FBI, à la CIA, derrière les brebis. D'être la sainte pour voir avec qui la soeur a dormi ou avec qui le frère a dormi. Non, ce n'est pas mon rôle. Je prêche et l'esprit de vérité te convaincra du péché et de la justice. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. L'église n'est pas une prison. Mais c'est ceux qui sont de la race du diable qui veulent vous montrer qu'en dehors d'eux, il n'y a plus de vérité ailleurs. C'est faux. Jésus a ses pasteurs partout. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Sous-entendu, j'ai d'autres bergers qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit ça aux apôtres. Ne pensez pas que vous êtes les seuls que j'ai appelés parce que vous, je vous ai appelé en public. Il y a d'autres aussi que j'ai appelés par des songes, par des visions. C'est pour ça que les apôtres vont sortir un jour, ils vont trouver un monsieur qui a son église. Il prêche au nom de Jésus. Il opère des miracles au nom de Jésus. Est-ce qu'il était appelé comme les apôtres? Non. Est-ce qu'il était même là la nuit où Jésus a appelé les douze? Non. Mais Jésus l'avait appelé autrement à distance. Il y a des ouvriers, d'autres bergeries. Tu ne peux pas être le seul vrai homme de Dieu. Ton église ne saurait être la seule vraie église. C'est un mensonge qui vient du diable. Tu ne peux pas sauver le monde entier. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un, il y a une grande église à côté de lui. Une église où on rend témoignage puissamment, où les œuvres du Saint-Esprit se multiplient. Mais dimanche, il prend sa famille, il paye 10 000 pour aller dans une maison, une église, dans un salon, dans un sous-quartier là-bas, adorer là-bas. Pourtant, il y a une église à côté de chez lui. Non, ce n'est pas sa bergerie. Chaque brebis reconnaît sa bergerie. C'est ça le problème, frère. On ne peut pas voler la brebis de quelqu'un. On ne vole pas la brebis de ta bergerie. Jésus dit quoi? Dans la prière sacerdotale, la prière de la fin, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, si ce n'est le fils de la perdition. Parce que chaque brebis reconnaît sa bergerie. Donc quand j'entends les hommes de Dieu se plaignent, oh, tu as volé mes brebis, depuis que tu es venu, mon église est tombée. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai fait tomber ton église. Ton église était déjà infirme depuis longtemps. Avant que j'arrive, donc, ne m'accuse pas. Donc, mes amis, nous devons prier que Dieu expose la race de la vipère. Que Dieu l'expose. Que Dieu donne à ses vrais enfants de réussir. Ceux qui ont été infiltrés dans nos églises pour séduire les cœurs des hommes de Dieu, du peuple de Dieu, pour envoûter les enfants de Dieu. Nous prions qu'ils soient exposés les uns après les autres dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes habitant de la ville de Douala, je vous invite ce soir. Nous allons aller, c'est fort. Jeudi, ça sera fort. Et dimanche, c'est la clôture. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Demain, dans cette même plateforme, je vous attends, très nombreux. Je serai avec mon frère bien-aimé, le prophète Rodrigue Ndefo. Nous serons ensemble pour revenir sur ces choses, pour revenir sur certains fondements doctrinaux de l'église au Cameroun, pour retoucher certaines choses, revenir sur certains sujets qui sont si importants pour l'église qu'ils ont divisé l'église. Nous voulons que l'unité soit dans le corps de Christ. Nous avons un fardeau pour les hommes de Dieu dans notre nation. Nous avons un fardeau pour les bien-aimés.
Nous avons un fardeau pour l'église de Dieu dans ce pays et en Afrique et dans le monde entier. C'est pour cela que tous les jours, quand nous nous rencontrons, nous pleurons devant Dieu pour vous. Nous pleurons pour ses serviteurs. Nous pleurons sur l'église de Dieu, sur la maison de Dieu, sur ce que la maison de notre Dieu est devenue au Cameroun. Je t'exhorte à partager cette annonce et à être là avec toute ta famille scotchée demain, dès qu'il sera 10h, heure du Cameroun. Que Dieu te bénisse, qu'il te délivre de la race de la vipère. Que tout descendant de vipère dans ta maison, dans ta famille, dans ton environnement soit exposé. Ils ne te supporteront plus jamais. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ton écran télé, ou bien ton téléphone, ou ton laptop, ou ta tablette. Nous allons prier. Seigneur, je prie qu'une onction puissante tombe sur ton peuple maintenant. Une onction qui va exposer les descendants du serpent dans nos vies. Tous leurs plans sont exposés au nom de Jésus. Seigneur, leur préconisation échoue dans le nom souverain de Jésus. Toute personne de ton peuple qui est sous l'influence de leur venin, Seigneur, guéris-les par la puissance de ton sang et de tes maîtrises sur la croix. Gloire soit donnée à Jésus-Christ, parce que par toi nous sommes sauvés et rachetés. Seigneur, nous prions que la délivrance soit complète, que les maladies maléfiques disparaissent, que les blocages soient détruits et que nos vies brillent à la splendeur de ta gloire. Béni soit ton nom pour ta souveraineté et ta fidélité. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Rendez-vous demain, 10h, spécial direct. Au nom de Jésus, amen.